Canaux Centre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Good evening to all our viewers. It's time to talk about the AFCON 2021, even if the competition have started at January 2022. And for this co-presentation, I'm with my best friend, Isaac Gokoum. Good evening, Isaac. Isaac, Amin. Bonsoir, Eme Mukoko. Good evening to you watching us from home. And welcome to this edition of Canaux Centre. Today we're going to be talking the last set of games for the first round in the 2021 Africa Cup of Nations. Notably, we'll be taking you to Limbe, where we had two beautiful games, even if one was very, very controversial. And of course, the last game that is just ending now with the Elephants of Cote d'Ivoire that we're playing at the Japoma Stadium in Douala. We are going to introduce to you those who are going to join us this evening to analyze what transpired today. We begin with the coach who is with us here, Aimé. Joseph Ndoko, on va dire l'un des consultants les plus sollicités sur la place des plateaux footballistiques. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vive le Cameroun qui est dans une fête pendant un mois. J'espère que vous sentez bien autant que moi. En tout cas, l'ambiance est plutôt bonne. On va dire que c'est la personne qui nous permet, avec Marie-Laure Inyégué, Eric Bilon, le matin en direct, 11h, de poursuivre Cannes au Centre, temps additionnel. On plante le décor des matchs de la journée. Mais le soir, c'est sa première ce soir, je pense, non, la deuxième fois. Et l'autre, c'est un meuble, pas besoin de faire beaucoup de commentaires sur Fabien Bobo qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Fabien. Bonsoir Aimé, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à nouveau nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ce débat de la soirée. Et merci également à vos techniciens qui nous permettent de parler. Et merci à la télévision républicaine qui est regardée jusqu'au Canada et aux États-Unis. Before talking about the first match in Limbe, let me greet Parigo, as known as Parigo, c'est Cyrine Tolo qui assure à la prise de son, l'ingénieur son, et puis Rodi Gunje à la régie, la réalisation du vieux Briscard, Franck Ebenis Ngepnan, et pour coordonner tout, les prises de vue, il gère à lui seul les 6 caméras, oui, tout seul ce soir, notre très cher Fanlon Simé qui fait partie de l'équipe technique. Et puis, on va dire merci à nos followers qui sont connectés en direct sur la page Facebook de Camdis Télévision. Je pense qu'il est temps de rentrer de plein pied dans le débrief des matchs avec le temps qui nous reste. Et honneur à tous nos téléspectateurs des régions anglophones, entre guillemets, qui sont à l'honneur aujourd'hui avec deux beaux matchs, même si le premier, Tunisie, Mali, nous a quand même offert quelques belles surprises. Yes, of course, we're taking you to Limbe, the Limbe Omni Sports Stadium, where the Eagles of Mali triumph over the Carthage Eagles of Tunisia. So we should say there were actually two Eagles. Les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali. In contention this afternoon, but somehow it is the Eagles of Mali that carried the day under very controversial circumstances, like you were saying, Aimé. Maybe we ask our analyst Fabien Bobo to give us the first kick of the touch. What did you appreciate in that match in Limbe today? Il faut dire que le match en lui-même était un très bon match. Une très belle équipe du Mali, une très belle équipe tunisienne qui, contrairement à l'équipe d'Algérie, a connu... Tunisie à l'équipe d'Algérie l'autre jour. Ok, de hier. Hier, ouais. Qui a montré une face pas très réduisante, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe d'Algérie qui n'a pas donné le meilleur de lui-même, parce que peut-être il faisait très chaud, mais contrairement aujourd'hui, on a vu une équipe de Tunisie qui était remuante sur le terrain, et on a vu une équipe du Mali. Il faut dire que l'équipe du Mali bénéficie du fait que c'est un pays qui a compris qu'il faut préparer les jeunes, il faut préparer les équipes jeunes, et on voit très bien que les équipes jeunes du Mali sont constamment dans les Coupes du Monde, des moins de 17 ans, des moins de 23 ans, ainsi de suite. Et ça fait qu'il y a une certaine traçabilité des jeunes qui partent de ces équipes inférieures pour les équipes A. Donc on a vu une très belle équipe du Mali, comme je l'ai dit, qui a démontré qu'elle était jeune, elle avait soif. Et puis il faut également dire que c'était la lutte des deux fauves, les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali.
Donc aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné parce qu'il faut dire que les deux équipes ont bénéficié chacune d'un pénalty. Mmh. La Tunisie n'a pas pu concrétiser son pénalty. Ouais. Pour dire que le pénalty n'est pas un but, mais c'est une occasion de but. C'est-à-dire, quand on le tire, il faut déjà avoir les capacités sur le plan mental de pouvoir mettre le ballon au fond. Donc, tout n'est pas d'obtenir le pénalty, il faut le mettre au fond. Et ça m'amène à dire que Aboubakar Bensam a fait du très bon boulot l'autre jour parce que tirer deux pénaltys face à un même gardien avec autant de facilité, il faut être vraiment Aboubakar Bensam. Donc, l'équipe du Mali a démontré qu'elle avait soif, qu'elle avait besoin de ces trois points. Elle s'est appliquée dans son pénalty et l'a mis au fond, au contrairement à l'équipe de Tunisie qui a manqué son pénalty. Il faut également relever l'anecdote de l'arbitre qui a sifflé peut-être deux fois à la fin du match. On reviendra. On y reviendra. Koné, le buteur qui a délivré les aigles. On peut voir les images, n'est-ce pas, arrêtées du côté de Limbé. L'arrivée aussi était un peu timide, comme dans les autres stades, parce qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité, de contrôle sanitaire et autres. Mais on va peut-être commencer par voir le système de jeu que les deux sélectionneurs nous ont proposé, Ben Saïd et de l'autre côté, Munkoro. Il faut dire que sur ce qu'on a à face, avant de revenir sur la Côte d'Ivoire, on reste un tout petit peu sur ce système, mais davantage pour dire que l'équipe tunisienne a voulu jouer un peu plus offensif. Et de l'autre, coach Joseph Ndoko, quand on voit ça, le Mali n'avait pas l'intention de venir chercher le nul. Comment est-ce qu'il faut apprécier ces dispositifs mis en place? Écoutez, la première des choses, lorsqu'on regarde, c'est une équipe qui est quand même, comment dire, en confiance depuis un moment donné. Leur préparation a été quand même un peu différente. Et lorsqu'on regarde même les confrontations avec les aigles du Qatar sur 10, il y a 5 victoires pour le Qatar. Ils ont 4 victoires avec un nul. Donc, en même temps, ils venaient très avertis. Vous savez, lorsque vous venez jouer un match comme celui-ci, à des moments comme ceci, vous avez déjà vu les autres jouer et ça vous permet de tirer vous-même les leçons. Je vais embrayer là par rapport au climat. Dans d'autres régions, il faut aussi chaud à Limbé. Il ne faut pas l'ignorer. Mais les autres sont pleins de ce climat-là. Mais oh que non. C'était quand même deux matchs où moi je suis quand même resté un peu déçu depuis le début de la CAN, de la manière avec laquelle les actions les plus pointueuses finissent par se finissent. C'est souvent, je me pose bien la question de savoir est-ce que c'est le défaut d'une bonne préparation à cause des Covid, à cause d'un certain nombre de choses qui ont souvent taché les préparations des équipes. Mais jusqu'à présent, en termes de la gestion de temps, j'ai aussi apprécié le Mali dans la gestion de ces temps. Et ça permet au moins que, même s'il fallait revenir, c'est même la raison, je ne sais pas pourquoi, est-ce que même s'il fallait revenir finir ce match-là dans les 5 minutes qui restaient avec l'handicap, je pense que ça devait être une grosse palpitation. En ce moment, on devait voir le moral que devaient avoir les Maliens qui déjà avaient senti que le match était fini et qu'ils reviennent comme ça. C'était pas, ça ne devait pas être évident. Mais aucun non, ils sont quand même, pour le respect du football, je pense que la Tunisie devait revenir. Ces pays maghrébins-là qui, déjà en temps, ont l'impression qu'ils doivent aller jouer l'Euro, nous, on commence à en avoir marre. Ok, Fabien, let's stay back with that match. There is something we've talked about, the fact that Ibrahim Koné scored his goal, but we should also appreciate the fact that on the other side, there was a penalty that was given, but the goalkeeper for Mali was able to stop that penalty. How would you appreciate that action? Non, mais il faut dire que le gardien malien a sorti le grand jeu, comme je le disais au début de mon introduction. Le penalty n'est pas un but, le penalty est une occasion de but. Et là, il y a comment je peux expliquer ça? Lorsqu'on siffle un pénalty, il y a une certaine lutte d'influence entre le tireur et le gardien. Et vous verrez très bien qu'il y a des gardiens de but qui viennent parfois prendre le ballon sur le point de pénalty, se mettre à le toucher, Donc, il y a une certaine lutte psychologique entre le tireur et le... Je vais vous aider, Bobo. Voilà. C'est lui qui tire les pénalty à Saint-Etienne. C'est la même manière. Et je suis content parce que aujourd'hui, les équipes qui sont des fois gérées par les anciens footballeurs tiennent compte de ces petits paramètres qui, lorsqu'une occasion comme ça arrive,
il se rappelle et il dirige le gardien. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Parce donc, que logically, we can say that the man of the match, Bosso Mankoro, that is the goalkeeper for Mali, he was well deserved. Non, mais c'est, il méritait d'être l'homme du match. Puisque quand tu sors un penalty aussi important. Et on a l'image même de l'homme du match. Face à Wabrik, Kazri. Voilà, face à Kazri, parce que je suis d'accord avec le coach tout à l'heure, quand il dit que c'est la même manière qu'il tire la balle. Il ferme toujours le pied. Alun Bouka a révélé dans une émission où il dit que en 2017, au Gabon, lorsque Sadio Mané est venu prendre le penalty, il avait déjà dit à Ondoua que quand il va prendre, regarde seulement de tel côté, c'est là-bas qu'il tire souvent. Donc il y a des joueurs, quand il veut tirer son penalty, il a choisi son côté. Et si le gardien a une petite information avant, il va anticiper de ce côté-là. C'est ce qui est arrivé avec le gardien malien qui a sorti ses penalties d'un joueur aussi important, non seulement au championnat de France, mais à l'équipe nationale de Tunisie. Je crois que le mérite revient au gardien qui a préservé ses cages vides. Alors, des cages vides, on va voir l'image de Man of the Match pour cette grosse affiche qui, à 14h, a mobilisé pas mal de Camerounais, que ce soit du côté de Limbé, Douala, Garoua, partout. Et c'est justifié, même si, quand on va rentrer dans le détail statistique, eh ben, on va quand même constater, hein, Isaac Ngonkou, Ko Joseph Doko, Fabien Mobo, qu'il n'était pas que l'homme providentiel qui sort un pénalty qui aurait pu changer la physionomie du match. Il faut dire que à la fin de la partie, il y a eu un carton rouge, on va en parler dans un instant avec l'arbitre, mais mine de rien, c'est une équipe, on va voir les statistiques avec le concours de Franck Ebélis Nguepnan, qui a pu tirer très peu au goal, parce qu'en somme, c'est 3 tirs cadré pour la Tunisie, un seul, et le but pour le Mali. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais qui n'étaient pas entre les deux montants et sous la barre transversale. On peut aussi apprécier le jeu un peu dur en termes de fautes. C'était carrément serré, 13 fautes de part et d'autre. Alors, un carton rouge pour les Maliens et 4 cartons jaunes partagés de part et d'autre, 2 pour la Tunisie, 2 pour le Mali. Après, peut-être moi la question qui me brûle les lèvres pendant que les stades vont s'afficher, Tunisie-Mali, Fabien Bobo, il faut dire que l'enjeu reste un tout petit peu le même. On a l'impression que les équipes du Maghreb ne sont pas les plus supportées dans tous les stades jusqu'ici, et on a vu un public de Limbé et même plus de 2000 supporters maliens qui ont fait le déplacement sous haute escorte, parce qu'en journée, c'était un peu chaud du côté de Bouya. Mais il faut dire que le 12e joueur, le 12e homme, a été à la faveur des aigles du Mali plutôt. Oui, vous savez, les équipes du Maghreb ont cette façon d'organiser. Je vous prenais le cas du match qui s'est joué hier à Garoua entre l'Égypte. Oui, un peu la même physionomie. Voilà, entre l'Égypte et le Nigeria. Vous verrez très bien que les supporters sont partis du Caire avec un vol spécial et un gros porteur. Et ils ne sont pas à leur premier essai. Ils l'ont fait en 2008 au Ghana, lors de la finale contre le Cameroun. Deux gros porteurs sont partis du Caire avec les supporters. Donc eux, ils ont une organisation. Quand leur équipe nationale joue un tournoi important, ils se déplacent avec beaucoup de gens. C'est à nous également de copier ce genre d'initiative. Donc il faut dire qu'ils tiennent compte du 12e homme qui est un homme important, qui est un homme important pour galvaniser l'équipe qui est sur le terrain. On a vu hier, non seulement les Nigériens étaient nombreux parce qu'ils sont quand même à la frontière à côté du Cameroun, mais les Égyptiens étaient également nombreux dans les tribunes, comme aujourd'hui quand vous parlez des supporters tunisiens, ils sont venus nombreux à partir des vols spéciaux qui partent de leur pays pour venir supporter leur équipe nationale. Voilà. Et surtout les supporters maliens, qui, on peut dire, il y a beaucoup de Maliens au Cameroun. Oui, mais il y a même beaucoup qui sont partis de Bamako pour arriver ici. Vous savez, pour venir au Cameroun, si on n'a pas les moyens de prendre la voiture, l'avion, on passe par la route. Hein. Il suffit de quitter le Mali et vous venez, par exemple, à partir du Burkina. Le Burkina, vous entrez vers le Togo. Le Togo, vous entrez au Bénin, est plus beaucoup toi, c'est au Cameroun. Donc, il faut apprécier cela. Je crois que après les stades vides que nous avons constatés à Bafoussam et à Japouma hier, Tunisie-Mali, c'est ça. C'est Garoua qui a relevé le défi. Et aujourd'hui, Limbé répond à Garoua. C'est de bon augure pour notre pays parce que c'est un peu triste de voir les matchs jouer, les stades vides. Je crois qu'il faut continuer à galvaniser le public de venir au stade.
Garo, je le disais, nous a donné un bon temps hier. Et aujourd'hui, Limbé nous donne un autre bon temps. C'est bien pour le pays, c'est bien pour l'organisation de la CAN. But unfortunately, Emir, with the public that came out in their numbers to support football, somehow some left very, very dissatisfied because of the refereeing, a very big talking point. We're talking about one of the best on the continent, but who is making a name for himself on the negative side, unfortunately. Coach, you watched that game, and I presume you should have been very disappointed with the referee. Especially when we consider the fact that he cut off the game at the 85th minute and the 89th minute. With all what happened in that match, we're expecting at least 5 minutes of additional time. Nothing was given. Première chose, c'est que je félicite la CAF qui prône pour ce genre d'exemple. Je reconnais le mérite de ce monsieur quand il faut qu'il fasse bien et aussi quand il faut qu'il se distingue avec la médiocrité. Et puis aujourd'hui, heureusement, après mes discussions avec beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, ou alors les Africains qui suivaient cette compétition, qui ont voulu s'accrocher dessus pour dire voilà ce que le Cameroun, comme si c'est le Cameroun qui avait choisi l'arbitre. Mais je dis qu'en même temps aussi, il y a eu des pannes. Si ces gens qui se mettent de l'autre côté pour vouloir discréditer la CAN, parce qu'il y a eu ce genre d'événement, mais il faut qu'ils se rappellent que eux, pendant même le tirage au sort devant tout le monde, ils sont plantés. Il y a beaucoup de choses, comme l'hymne qui a eu un problème au niveau de son exécution. On a eu ça France, je pense Finlande, il y a eu ça. Donc ça existe aussi ailleurs. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que comment est-ce qu'on fait pour choisir ce monsieur qui propose toujours des scènes. Oui, oui, des performances des fois complètement tordues, alors que de l'autre côté, il est capable de faire du meilleur. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je préfère aller dans ce sens-là et dire en même temps aussi que on parlait des pays maghrébins. Aujourd'hui, le Mali est ressorti, comme la loi le demande, c'est-à-dire qu'il faut que le match finisse. Ils sont ressortis pour venir, mais la Tunisie a refusé. C'est eux qu'on craignait. Effectivement, on craignait effectivement qu'ils ne viennent pas. Parce que logiquement, ils ont gagné même le match. Et moi, je mets ça dans le cadre du respect de l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils auraient dû quand même venir parce qu'ils respectent le football, ils respectent l'adversaire qui est en face d'eux, au-delà des enjeux. Mais après, peut-être qu'ils vont passer par d'autres manières, mais qui va payer? C'est la CAF. Et la CAF va payer, est-ce qu'en remettant les points? Non, je ne pense pas. Ça sera d'une autre manière. Et ils sont venus pour jouer. Revenez jouer dans l'esprit du fair play. En 5 minutes, tout peut basculer. Encore que le Mali avait déjà un carton. Et l'état psychologique, quand tu avais à penser que la fête est finie, oui, on te dit non, c'est pas fini, attention. Il y a encore quelqu'un qui danse mieux que toi, qui peut danser mieux que toi. Il faut que tu deviennes. Mentalement, c'est dit. Il faut être encore plus costaud. Et je pensais que la Tunisie pouvait passer par là pour venir essayer de changer les choses. Je peux vous rassurer, hein, en 5 minutes, on a vu en 2 minutes les équipes marquer 2 buts. Pourquoi pas nous, en 5 minutes, ne pas marquer 2? Emir, you have details of this Zambian referee who is the talking point of the day. Please tell us more about it. Alors, déjà, avec le concours de la réalisation, on parlera des Lions plus tard sur notre écran derrière qui nous propose l'entraînement des Lions. On reste du côté de Limbé parce que c'est ce qui a marqué peut-être la première grosse curiosité. Ouais. Et vous demandez l'arbitre. Alors, ce Gianni, c'est pas Infantino. Non. Vous verrez bien une image avec l'arbitre. Ils ne sont pas trop loin en termes de prestation. Vous allez voir une image. Mais il n'est pas à sa première situation délicate. Déjà, il faut le rappeler, peut-être la question coach, de savoir, vous êtes sélectionneur national, est-ce que vous avez le droit de rechigner, revenir sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des sanctions plus lourdes que ça quand on décide? Même si l'arbitre se plante, il faut aller jouer jusqu'au bout. Je suis d'accord. Vraiment, donnez-moi une petite seconde pour que je prenne l'exemple de ce que j'ai vécu. Je suis en plein match, en demi-finale contre le Nigeria. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Les dames qui sont assises, les quatrièmes arbitres et autres, viennent vers moi et me disent, coach, n'oubliez pas, nous sommes en prolongation, vous avez un quatrième remplacement. Moi, je n'étais pas là-dedans, j'étais dans mes trois, il faut que je gère. Mais à partir du moment où je me rends compte que c'est elle-même qui vient me rappeler que non, il y a un quatrième, directement, je me projette maintenant pour faire le quatrième remplacement. Elle vient et me dit, attendez, d'abord on appelle. Mais je peux vous dire, d'abord, nous sommes aux arrêts de jeu. Avec les Lions et Nantes. Avec les Lions, effectivement, au Ghana. Pour vous dire que. Et c'est pour ça que je ne résigne pas pour tirer sur la CAF. C'est inadmissible. C'est inadmissible.
comment on fait pour que des fois ce genre de choses arrivent? Comment on fait? Moi, je voudrais bien comprendre ça. Aujourd'hui, ça a été entaché de cette irrégularité-là. Mais je peux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, à un moment donné, nous sommes les Africains, on lutte pour la même cause, c'est-à-dire qu'on respecte notre foot. Même si aujourd'hui, le même arbitre qui s'appelle Gianni comme Infantino, qui lui aussi pose des actes pareils, il vient poser des actes, ce genre d'actes, nous, Africains, on doit lutter pour montrer une bonne image. C'est parce que les Maghrébins, la Tunisie a proposé là. On reste dans le jeu, le public est venu pour ça, et à un moment donné, les enjeux, on les met de côté parce que c'est pas parce qu'on a perdu le premier match qu'on ne gagnera pas la finale. Voilà. Alors, restons sur l'image de Gianni Sikazwe, parce que ce n'est pas son premier forfait. Après, on va peut-être trouver des sanctions, sauf que le match s'est arrêté et il aura donc été, souvenez-vous, l'arbitre... Il était même remplacé dans ce match. On aurait pu. Malheureusement, l'autre équipe n'est pas revenue. Alors, il faut peut-être rappeler qu'il a été présent en Russie en tant qu'arbitre assistant vidéo lors du Mondial. Il a arbitré la finale de la CAN Cameroun-Égypte. C'était le même monsieur. Il est passé par la Ligue des champions africaines qui a été un gros souci parce qu'il a toujours eu des petits cas. Il a été suspendu, pas une fois. Pourtant, considéré jusqu'en 2018 comme parmi les meilleurs arbitres africains parce que ce n'est pas n'importe qui va au Mondial. On va faire tourner les photos parce qu'il y a une belle image avec l'autre Gianni Infantino. Parlons de Gianni Sikazwe, l'arbitre zambien qui était la star finalement de ce match du côté de Limbé. Je voudrais quand même vous rappeler que le monsieur sur ses derniers matchs arbitrés est un récidiviste en termes de carton. Déjà aujourd'hui, 4 cartons jaunes, 1 carton rouge, mais le dernier match qu'il a arbitré, c'était le 3 décembre entre le Bahreïn et l'Irak. 5 carton jaune, on reste sur l'arbitre. Entre le match précédent, avant ça, la Syrie l'a donné un carton jaune et 4 cartons rouges. C'est lui qui a arbitré Cameroun-Côte d'Ivoire. Il faut le dire, à Douala, c'était toujours lui, où il a donné 4 cartons jaunes dans le match. Il a arbitré Mamelo Sundown et Maniema Union pour la Coupe, la Champions League africaine. 2 cartons jaunes, Soudan contre Guinée, éliminatoire au World Cup Qatar 2022, 6 cartons jaunes, coach, quand on connaît. Peut-être je vais rajouter quelque chose. Il faut dire que cette même arbitre, il avait accordé un penalty très controversé pour le Burkina Faso. C'était récemment. Donc, c'est pour dire que c'est un coach, c'est un arbitre qui a vraiment des problèmes. Alors, Fabien Bobo, peut-être, si vous êtes sur le banc, le coach peut-être pourra répondre plus facilement. Est-ce que ce n'est pas aussi bien d'aborder, quand on connaît ce genre d'arbitre, on connaît son profil, on sait qu'il a la main facile au carton, est-ce que les entraîneurs ne pouvaient pas aussi jouer sur ça pour calmer les ardeurs de leurs joueurs? Non, ce n'est pas aux entraîneurs de calmer l'ardeur des joueurs. En fait, je me souviens quand je passais le diplôme d'éducateur, nous avons eu un cours d'arbitrage. C'est-à-dire que les arbitres venaient nous donner un cours pour nous apprendre le règlement et tout ça, parce qu'un entraîneur doit connaître le règlement. Il doit connaître le règlement. Donc, pour dire quoi? Pour dire que cet arbitre, et on nous apprenait dans le cours que l'arbitre doit jouer de psychologie lorsqu'il arbitre un match. C'est-à-dire que les joueurs sont permanemment sous tension quand ils jouent, parce qu'ils font trop des efforts physiques et intellectuels, parce qu'il faut réfléchir. J'ai tel ballon en milieu de terrain, où est-ce que je dois le donner? Quel type de choix je dois faire? Est-ce que c'est le choix positif que je dois faire? Donc, les joueurs réfléchissent et ils perdent beaucoup sur le plan physique. Donc, ils sont sous tension. Donc, l'arbitre doit comprendre que lorsqu'un joueur pose un acte comme celui-là, vous voyez, certains arbitres viennent souvent, parlent au joueur, même en riant, en souriant, et lui disent à la fin que c'est terminé. Donc, si tu fais une autre faute, je te donne le carton. Moi, j'ai été surpris aujourd'hui. Il a donné un carton rouge direct au jeune malien. Au jeune malien, l'avant-centre qui venait d'entrer. Mais quand tu vois l'action, il n'a pas l'intention de faire mal. Il veut jouer le ballon, mais le Tunisien est le premier à enlever le ballon. Sa godasse freine un peu le pied du Tunisien qui s'écroule, qui s'enroule. Au moins, l'arbitre aurait pu lui donner un carton jaune. Parce qu'en disant que, bon, voilà, parce qu'il faut jouer de la psychologie. Est-ce que réellement le joueur a l'intention de faire la faute? Parce que quand on donne le carton à un joueur,
c'est qu'on apprécie l'intention du joueur de ne pas vouloir jouer le ballon, de faire mal. Mais si le joueur, tu réalises que le joueur n'a pas l'intention de faire mal, tu peux venir lui donner un avertissement verbal. Parce que tu estimes qu'il n'a pas eu l'intention, mais la faute est là. Just to stay on that action, maybe we should remember that Janir Sikwaze was just coming out of a difficult situation because at the 85th minute, he had already sounded the whistle for the end of the match. And after that, we are talking about the 86th minute, that's when the red card is coming. That's to say he had already taken a psychological touch and maybe he wanted effectivement, to... Effectivement, c'est là où je voulais en venir. Le match Cameroun-Burkina Faso, le Burkinabé, il prend le carton la deuxième minute. Il n'y a même rien à faire. C'est-à-dire que c'est la faute qu'il fait est une faute de carton rouge. C'est-à-dire que les deux pieds, il y a un pied qui est au-dessus de la cheville, on dit, à partir du moment où l'intégrité physique de l'adversaire est en danger, du coup, la prestation de la faute est suivie d'une sanction extrême. Ça veut dire que carton rouge. Mais sauf que, non seulement le premier pied, il est en haut de la cheville, le deuxième pied est en haut du genou. Donc, sur toutes les formes, il y a carton rouge. Sauf, qu'est-ce que l'arbitre s'est dit? Mais attends. Le Cameroun, on commence à l'obsessionner du fait que c'est eux qui ont envoyé, qui ne veulent pas avoir l'histoire de Covid, c'est eux qui ont allé faire ça. Deuxième des choses, pays organisateur, on aura l'impression que je suis en train de déstabiliser et de donner tout. Oh. Non, il s'est dit, non, il y a encore tout le temps. Je préfère que. Mais lui-même est conscient que c'est une faute à carton rouge. Il mérite un carton rouge. C'est ça qu'on parle de la psychologie dont on parlait tout à l'heure. Tout le monde connaît le règlement. Et après, pour la beauté du foot, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop rigide. Voilà. Pour la beauté du foot, on est à la troisième minute. Si vous donnez un carton rouge, le scandale qui part, c'est que non seulement vous avez... C'est dans la logique, mais qu'est-ce qui sera interprété? Le Cameroun fait tout pour garder sa canne, parce qu'il va avoir les arbitres, petites choses ainsi de suite. C'est pour ça que aujourd'hui je suis un peu gêné, parce qu'à la fin, ce monsieur devient une star, autant que l'autre Gianni aime faire, et se retrouver que ça, ils arrachent la fête des Maliens. C'est-à-dire qu'on parle plus de ce fait que de la victoire du Mali. Il devient une star au détriment des joueurs. Effectivement. Or, l'arbitre doit passer incognito. Apparemment, c'est le fort de Gianni. En tout cas, vraisemblablement, pour sortir de cet arbitre, il y aura. On ne pense pas qu'il continuerait la compétition. Ce serait compliqué de lui confier un autre match. Après, on va peut-être comprendre pourquoi. Ce n'est pas du jamais vu, parce que dans nos recherches, il y a déjà des arbitres qui ont arrêté les matchs avant le temps. Il y avait pourtant beaucoup de temps de jeu encore. Ouais. Il a donc décidé, quand on revoit ces images, il a arbitré Belgique-Panama, Japon-Pologne. Il a même arbitré la Coupe du Monde des clubs. Real de Madrid qui jouait contre je ne sais plus quel club. Donc, il a habitué à sortir le carton. Et le Mali à 10 contre 11, malgré tout, arrache donc un point précieux contre un prétendant dans la poule du côté de Limbé. On va peut-être revenir dessus demain avec... Vous vouliez dire arrache 3 points. Arrache 3 points. 3 points, important, parce que là, pas un point, mais 3 points. Allez, bravo aux Maliens, surtout ceux de Yaoundé, parce qu'au stade malien, vous connaissez l'histoire, peut-être pour les plus jeunes, en une minute, stade malien. Stade malien, Yaoundé, c'est tout simplement le stade malien. Le stade que les Maliens s'entraînaient en 72, parce que l'État du Cameroun, comme aujourd'hui, attribuait des stades d'entraînement à chaque équipe qui était dans la compétition, et celui d'Anguisse avait donc été attribué aux Maliens en 72, et c'est là où les Maliens s'entraînaient. Et quand la CAN est finie, les gens sont restés avec l'esprit dans la tête que c'était le stade malien, d'où l'appellation du stade de Yelboba, parce que c'est le quartier, Yelboba. Parce que le quartier s'appelle Yelboba. Donc, ça s'appelle donc aujourd'hui Stade Malien. C'est le stade où les Maliens s'entraînaient. Ah, merci pour la mémoire. Je crois que même les habitants de Yelboga, beaucoup ne savent pas que c'est le nom du quartier. En direct sur Camdi Télévision, Isaac Ngokoum, Aimé Moukoko, Joseph Ndoko, Fabien Bobo, on débrief les rencontres de la journée. Il n'y avait pas que Tunisie-Mali. Une autre belle affiche nous a permis de voir le deuxième but de la journée. Journée très pauvre en but, jusqu'ici. Jusqu'ici. Le premier tour est terminé. C'est le Cameroun qui a mis le plus de buts dans son match. Isaac, la Mauritanie est passée à côté de quelque chose. Yes, and we should say actually, Aimé, that it was a historic day, especially for the Scorpions of Gambia, who are coming into the Africa Cup of Nations for their first time. And for the first time,
They take home 3 points. So it was a historic win there in Limbe in the second game of the day. 1-0. It's to tell us that there is no small team and that everybody is coming with a target to win. Coach, what's your appreciation of that game? A success for Gambia? Non, en fait, quand même, dans la spontanéité, la Gambie a pu marquer un but exceptionnel. Je parle de la spontanéité. J'ai été même très, très content de voir ce but-là, autant que la Côte d'Ivoire a marqué de manière similaire, le même genre de but. J'ai été aussi très, très, très content de voir, la morphologie des Mauritaniens. Ben, c'est incroyable, ils étaient très costauds. Et j'ai aimé le jeu parce que c'était complètement ouvert. Et là, vous me permettez, que j'aimerais que mon équipe nationale, qui est le Cameroun, joue comme tel. On voit les gars qui sont capables de créer au milieu du terrain, on a les gars qui font ce qu'ils ont. Ils peuvent créer, le déséquilibre, peut-être sur 1-1, mais la finition reste le plus gros problème de tous les matchs qui sont joués depuis le début du tournoi. Mais j'ai aimé ce jeu parce que c'était un jeu qui était complètement ouvert. Et reconnaître qu'on pouvait même se retrouver avec un score de parité, ça n'aurait dérangé personne. Mais une équipe complètement tuée par la naïveté, cette équipe de la Mauritanie. Vraiment extrêmement naïve, parce qu'au vu du potentiel que j'ai vu ces gars-là faire, tous sont techniques, mais incroyablement, à la zone de finition, c'est comme si, comme on met dans les machines, erreur, ça s'arrête là. Ça manque de réflexion, ça manque de la pertinence au niveau des choix. Et c'est là où c'est le regret. Mais je veux vous assurer que quand j'ai vu ces gars jouer, j'ai pensé à l'équipe du Cameroun. J'ai rêvé voir cette équipe du Cameroun jouer comme telle. Eh bien, une équipe de la Gambie qui rentre dans l'histoire. On dira même peut-être que, quelle que soit la suite de la compétition, ils ont gagné leur baptême de feu. Regardez cette belle image où ils sont tous allés remercier les dieux du Cameroun, les dieux de Limbé, les dieux du... C'est de la Gambie aussi, voilà, qui les accompagne. Voilà, donc maintenant après Fabien, on va dire que ça, c'est une victoire qui change un peu la donne. On va dire que les dés sont redistribués parce que malgré la défaite de la Tunisie, première journée, il y a encore deux match. Le Mali il doit maintenant discuter la première place en allant chercher la Gambie, pendant que la Tunisie, elle aussi, c'est une victoire, mais qui ne les met pas à l'abri, en tout cas, de sortir la tête de l'eau, même si 3 points déjà, c'est presque la troisième place qui est déjà cachée. Même un nul. Voilà. Non, mais il faut dire que la Gambie est une très belle équipe, puisque c'est un pays qui est à côté du Sénégal. Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont nés en Zambie ou alors qui sont nés en Gambie, qui sont nés au Sénégal mais sont allés vivre en Gambie. Donc, et la Gambie n'a pas commencé à émerveiller les gens dans ces tournois. Vous vous souvenez des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont battu le Gabon en Gambie. C'est vrai qu'ils ont fait attendre le Gabon pendant des heures et des heures, voire même toute une nuit à l'aéroport. Donc c'est une très belle équipe qui a des jeunes joueurs, et il faut comprendre que quand ils jouent avec une équipe comme l'équipe mauritanienne aujourd'hui, qui est habituée de la CAN, parce qu'il était à la CAN de 2019 en Égypte. C'est leur deuxième participation. Avec, comme entraîneur Amunike, qui est le premier Africain à signer au Real de Madrid, à Barcelone à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis un peu mal parce que je supportais un ami qui est l'entraîneur de la Mauritanie. D'Acosta, qui est l'ancien entraîneur de Coton Sport, parce qu'à l'époque, j'ai pu placer un Congolais à Coton Sport à l'époque, et D'Acosta, qui est un blanc, il a vu le joueur, il a apprécié le joueur, il a fait recruter le joueur, donc c'est un ami avec qui on a beaucoup échangé. Vous parlez du coach de la Mauritanie? Le coach de la Mauritanie. C'est Davosi. D'Acosta. Il s'appelle D'Acosta, c'est un ancien entraîneur de Coton Sport, de Garoua. 2014-2015. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais personnellement, avec qui j'ai tissé des liens d'amitié. On échangeait chaque fois quand j'étais à Garoua. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc je suis un peu mal dans ma peau pour qu'il puisse perdre, parce qu'il a perdu ce match aujourd'hui, je voulais dire. Et bravo aux Gambiens qui ont démontré que quand on a besoin, quand on a la force mentale et on a l'envie de gagner, on peut le faire. Et leur jeu qui m'apparaît aujourd'hui quand même séduisant. Ouais. Et je crois qu'ils sont allés au bout, ils ont mérité leur victoire. Et moi, le duel des entraîneurs, ça dit qu'il y avait un Français en face de lui, il y avait un Belge.
et le français qui a fait 10 ans en Afrique. Mais ce qui me dérange, l'entraîneur mauritanien là, comment Dacosta, c'est que chaque fois, il ne fait pas dans la durée dans une équipe. Et je pense, hein, pour le fait qu'il connaît déjà assez, il a entraîné à Oa, beaucoup d'équipes ici en Afrique, moi je pense qu'il devait s'asseoir quelque part pour créer un projet parce qu'il connaît la mentalité africaine et que ce soit dans la durée. Vous allez vous rendre compte, sur les 10 ans, il a fait pratiquement 10 équipes et ça manque de constance. Et ça fait en sorte qu'à chaque fois. Oui, voilà. Et c'est un peu gênant parce que lorsque je regarde son équipe jouer, je sens qu'il n'a pas encore mis assez véritablement sa patte là-dessus. Et juste après peut-être la compétition, il ira encore. Ça ne donne pas grand-chose. Or, intelligent qu'il est, travailleur qu'il est, s'il s'établisse quelque part, ça fera quelque chose de bien. Et j'ai vu quelqu'un, un des reporters, de vos reporters français, qui me disait, honnêtement, le travail qu'il commence à faire en Afrique de l'Est, si le Kenya s'était mis dans le même style de travail, c'est qu'on en est loin aujourd'hui. Mais sauf que le Kenya s'est mis dans un travail beaucoup plus dans le football féminin. Ils sont en train de sortir et ils ont d'abord laissé le football. Parce que, bon, il y a beaucoup d'équipes comme ça, le Botswana et autres, qui sont en train de se réveiller. Et ne soyons pas surpris que, autant qu'on a vu la Gambie, la Mauritanie et les autres qui vont suivre d'ici 2 ans, la prochaine CAN, on pourra encore voir beaucoup. Le football africain va progresser. En tout cas, c'est une équipe de Mauritanie qui peut se tirer les cheveux. Didier Gomez d'Arosa, qui connaît bien le Cameroun, qui a même joué à Limbé. Bon, ce n'était pas le même stade à l'époque. Aura du mal quand même à oublier cette rencontre où la Gambie ne partait pas favori. C'était encore un duel d'opposition de David contre Goliath, bon, en termes d'expérience à la CAN. Mais il faut préciser quand même, Isaac, que la Gambie a quand même battu l'Angola 3-1 dans la campagne éliminatoire pour la CAN. Après, hein, les vieux souvenirs d'une équipe. Et maybe we comment yes. This image that we have. Moussa Baro, man of the match. He didn't score the goal, but he was very, very instrumental for his side, Fabien Bobo. Oui, c'est un très bon joueur. Quand vous le voyez, d'abord, il a de la corpulence, il a de la taille. Et puis, c'est quelqu'un qui est technique et qui va également vite. Et quand vous voyez son but marqué, vous sentez que c'est un joueur qui est déjà mûr et qui mérite peut-être de jouer. Oui, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, il a fait jouer son équipe. Oui, c'est ça, je vais dire que c'est un joueur qui est important dans le groupe. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est un joueur qui est important dans le groupe et il pèse dans la finition de son équipe. Même quand il joue en attaque, on sent qu'il est toujours gardé par plusieurs joueurs parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut faire mal, quoi. Alors, coach, c'est quand même un peu délicat. C'est une équipe qui, contre le cours du jeu, remporte ce match et qui permet de boucler la première journée de la poule de Limbé. Après tout ce qui se passe autour, ne va pas perturber. Quand on est sélectionneur et qu'on réussit à accrocher une victoire pareille, ce n'est pas pour rester au premier tour. On peut dire que la Gambie a déjà une godasse et 4 orteils au deuxième tour. Encore qu'il y a le meilleur troisième. Donc, du coup, ils se sont donnés vraiment assez d'aise à ce niveau-là. Et je crois même qu'ils n'ont rien à perdre. Ils viennent en disant, on n'a rien à perdre, allons prendre plaisir. Et c'est pour ça que ce match était vraiment ouvert. Et c'est pour ça que je continue à dire que la Mauritanie, par exemple, a été tellement naïve. Et j'ose penser que c'est parce qu'effectivement, Darouza n'a pas encore mis du temps là-bas. Et j'espère que la gouvernance va lui donner. Ou alors, il va vouloir continuer l'aventure pour que d'ici 2 ans, il revienne encore plus fort. Mais on verra cette équipe, parce que si elle continue à jouer comme ça, dans la spontanéité, c'est une équipe qui joue avec une certaine forme d'insouciance. Autant ils sont poignants devant qu'ils sont faibles derrière. C'est le genre d'équipe, ok, nous voulons marquer 5 buts, on encaisse 4 pour vivre qu'on gagne notre match. Et là, j'espère qu'ils ne vont pas partir dans les calculs de vouloir faire un nul pour s'installer obligatoirement, mais qu'ils jouent à fond, parce que les premiers matchs sont des fois très difficiles à manipuler. Et encore qu'aujourd'hui, on ne va plus les prendre avec une désinvolture, on va commencer à les respecter de ce qui s'est passé. C'est pour ça que le deuxième match, seront des matchs où les vraies faces des techniciens vont ressortir. Parce que tout le monde s'assoit pour observer tel a fait quoi, je prépare le match de tel, il se comporte comment, ainsi de suite. Pour beaucoup de calculs. Et je le disais ici, j'étais très surpris dans le programme des Lions. Donc, dans le programme des Lions, on disait que la séance vidéo était aujourd'hui. Moi, j'étais un peu surpris parce que j'avais pensé que c'est à la veille, juste le lendemain du match. Parce que le jour-là, il y a encore les clichés des joueurs, ils ont encore les clichés des matchs, plus la vidéo, ça permet qu'on corrige à partir du jour qui suit.
Même si vous venez faire ça aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme je disais tantôt, le premier tour passe avec beaucoup de dualités, surtout au niveau des finitions. Mais je peux penser quand même que la Gambie, telle qu'elle est là, qu'elle ne regrette pas, hein, après avoir fait une performance comme celle-ci, et que le lendemain, elle sort avec 3 points. Ok, et même Coco, maybe we'll be moving to the last talking point, or the second to the last. Mm-hmm. But before that, you have some key statistics of this game, Gambia versus Mauritania. Important, et peut-être avec le concours de la réalisation, Isaac Ngonkoum, c'est-à-dire que Mauritanie-Gambie, la petite fiche de stade nous amène à voir une équipe qui a mérité sa victoire, quoique sur le papier n'était pas favori. 3 tirs cadrés pour les Gambiens contre seulement 2 pour la Mauritanie. Après, il y a eu pas mal de tentatives, 12 au total, mais pas cadrés pour la Mauritanie, 4 tirs pas cadrés de l'autre côté. Il est important de rappeler que la Mauritanie a dominé la partie, 62% de possession. Elle a couru avec le ballon. En face, la Gambie a couru derrière le ballon. Ça n'a pas été évident du tout. Maintenant, on va signifier aussi, hein, pour retenir, que 5 cartons ont épluché cette rencontre. 3 pour les Gambiens, 2 pour les Mauritaniens. Et puis, Moussa Baro, passeur décisif, pour le but de Habile Diallo, c'est le buteur. C'est ce qu'il fallait donc retenir. Gagner, dominer, c'est pas gagner. On l'apprend encore aujourd'hui, hein, coach, sur cette rencontre que la Mauritanie a porté jusqu'à ce moment décisif de la. En fait, on va même dire but qui arrive contre toute attente. J'ai suivi Belmadi hier, dit que ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup couru parce qu'ils possédaient le ballon. Et que si vous venez nous dire ça, vous ne voulez pas aussi autant dépendre, remettez le ballon à l'adversaire et utilisez effectivement la majorité depuis la Coupe du Monde, l'Euro, les équipes qui ont gagné ont laissé le ballon à l'adversaire et sont partis sur compte. Parce que lorsque vous avez le ballon, vous créez les espaces et immédiatement, lorsque vous perdez le ballon, il faut que la reconversion soit vite faite et du côté où il y a le ballon pour essayer de le récupérer. Mais sauf que les équipes donc, qui sont en train de défendre préparent leur attaque et en fonction de là, vous avez... Vous-même, vous avez laissé des espaces. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'on me dise que, hier, comme elle m'a dit, enfin, c'est la théorie que chacun essaie de sortir. Mais moi, ce que je voudrais dire ici, en ce qui concerne les statistiques, c'est que vraiment, toutes les équipes, jusqu'à présent, les équipes africaines, et je vais même encore continuer à dire, même Samuel Eto'o, il a été bititi avec certainement 22 ou 23 buts, ou 25 buts, mais il en a raté 50. Et ça reste le problème des Africains. À la zone de vérité, les zones où on doit avoir définition, avoir une intelligence extraordinaire, c'est là où on pêche. J'ai dit toutes les équipes africaines, on a vu ça avec l'Algérie, on a vu ça avec presque le Sénégal, et tout, les gens, ça se construit très loin, mais à la zone de vérité, tout s'arrête. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver aujourd'hui avec les scores étriqués, 1-0, 0-0, c'est pauvre, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Machine, nous espérons que à la phase, le deuxième match des poules vont permettre qu'on essaie de voir ce que alors, peut-être un fait qui passe pas inaperçu, peut-être Marie-Laure et Eric Bilan dans Cannes Centre temps additionnel nous en diront davantage. Malheureusement, la CAF a encore fait fort. Elle a aussi un peu ravi la vedette lors de ce match. On a manqué l'hymne national de la Mauritanie. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Les joueurs étaient surpris. On va voir la vidéo, hein, juste un petit bout pendant qu'on commente, même 10 secondes. En tout cas, les Mauritaniens ont été surpris d'entendre un hymne qui n'était pas le leur. Vous allez voir la tête des joueurs dans un instant. Ils se disent, mais... What's happening? Une fois, le speaker, Aboubakar, que je salue en passant, relance, pas lui qui gère le son, on relance, on rate encore l'hymne de la Mauritanie, 3e fois, finalement, ils ont dû chanter en chœur et peut-être c'était le début de leur malheur. Mais bon, ça peut arriver, rien n'est parfait et c'est des choses qu'il faut avoir à oublier très vite pour le premier tour. Maybe, because of time, we take our last game of the day because we had a very, very big one there at the Japoma Stadium. The Elephants of Cote d'Ivoire against the Nzalan.
final of Equatorial Guinea. Of course, the game finished 1-0 in favor of the Elephants. And of course, a beautiful one for Max Alain Gradel, who lost his father 7 days ago. Coach, this should be something that will liberate the young man. C'est exceptionnel avec ce qu'il vit actuellement. Il est aussi allé dans la spontanéité. Gradel, c'est depuis un temps, c'est le genre de joueur, vous avez trois comme ça dans votre équipe, honnêtement, il tire à chaque fois, même quand il était à Saint-Etienne, il faisait tout pour tirer ses jeux vers le haut, c'est le genre des meneurs. Moi, je l'ai vu avec le brassard, j'étais très content. Peut-être l'absence de Aurier, oui, mais là, c'est un exemple, c'est le mec qui ne râle jamais, c'est le mec qui est vraiment, comme on dit, des fois dans les vestiaires, les digestes. Ça veut dire que avec le temps, on a vu la spontanéité avec les Gambiens, la spontanéité effectivement aussi avec, avec le tir de Marc Gradel. Ouais. Moi je dis, grâce à ça, la Côte d'Ivoire finit par gagner. Vous allez rentrer dans vos statistiques, vous allez vous rendre compte effectivement que la Côte d'Ivoire a possédé le ballon. Mais comment vous pouvez posséder autant de ballons, vous ne marquez pas autant. Ce match pouvait finir par un but partout. N'eût été une fois de plus la maladresse de nous les Africains, et particulièrement des Atogues-Guinéens. Va bien? Oui, je crois que le mérite revient à l'équipe de Côte d'Ivoire et surtout à Gradel dont on parlait tout à l'heure. Vous savez qu'il a perdu son père il y a 6 jours. Voilà. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle il a pleuré quand il a marqué. Ouais. Voilà, donc... Rodrigue va nous retrouver ses images, voilà. Hein, quelques belles photos qui illustrent la rencontre. Donc là, il a démontré là qu'il a un mental de fer. Parce que quand vous perdez un père, c'est important. Tu sais de quoi quelques de jours. De, voilà, je sais de quoi de parler. Et il disait dans son poste que... papa, je t'ai dit que je m'en vais à la CAN, et puis quand je reviens, on aura le temps d'en parler. Mais il a oublié que ce n'est pas lui qui fait le programme, c'est lui qui a créé la terre et du ciel, sure. Et qui a donné la vie à chacun d'entre nous, qui est le décideur unique. Quand il décide qu'il te rappelle en lui, personne ne peut s'opposer. Donc, félicitations à Marc Gradel parce qu'il a fait un travail aujourd'hui formidable. Il a démontré qu'il a une force mentale et il a tiré l'équipe vers le haut, et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez que ce même Gradel qui élimine l'équipe du Cameroun, oui. À la CAN en Guinée équatoriale, oui. Après une frappe qui a pris le montant, enfin, qui a rasé le montant droit d'Ondoa à l'époque, et allait se loger dans la lucarne. Donc, c'est un joueur très important qui a beaucoup d'expérience, et je crois que la Côte d'Ivoire gagnerait à garder ce type de joueur. Le fait même de lui donner le brassard, c'était une façon de le motiver. Parce que le brassard, quand même, ça veut dire que tu es un leader qui doit tirer l'équipe vers le haut. Donc, on lui a donné le brassard, sachant que mentalement, il peut flancher après cette mauvaise nouvelle de la mort de son père. Donc, il a démontré qu'il a des qualités mentales importantes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un joueur qu'il faut garder. C'est un joueur qu'il faut continuer à soutenir parce que mentalement, il n'est pas au point. Mais il se donne à fond, oui, mais il se surpasse. Voilà. Le terme qu'il est cherché. Okay. Il se surpasse pour donner le meilleur de lui-même. Félicitations à Gradel. Maybe before we continue, Aimé, some key statistics about this particular game, Côte d'Ivoire against Equatorial Guinea. Oui, c'est important, Isaac, parce que si on se limite au score, yeah. On a l'impression que la Côte d'Ivoire a dominé. Sauf que l'Équateur Guinée a tiré le plus de fois au goal. Ils ont tiré d'abord le plus de fois parce que 6 fois ils ont tenté, ça n'a pas été cadré. Ouais. Mais sur l'ensemble du match, 3 tirs cadrés, dont un face-à-face miraculeux, hein, que le gardien enlève en fin de partie, contre-attaque éclair, malheureusement le capitaine équato-guinéen qui passe à côté, voilà. 2 tirs cadrés seulement pour les Ivoiriens, dont le but de Marc Gradel, le but le plus rapide de cette CAN, ouais. 5e minute, parce que quand on est dans 4 et quelques secondes, on est dans la 5e minute. La Côte d'Ivoire qui a décanté la situation très tôt, mais qui n'a pas pu enfiler le 2e but. On a vu Kessié au sol pour un choc, on a eu peur, mais finalement, c'est une Côte d'Ivoire, hein, avec un mental de mammouth, avec un Drogba Didier qui est arrivé hier dans la tanière en soutien moral. On va voir ces belles images, Drogba et Baumel. Ça a peut-être été le coup de l'onction, mais la Côte d'Ivoire a cravaché. On va peut-être le voir en termes de coups de pied de coin. Les corners, la Côte d'Ivoire s'est donné beaucoup plus d'opportunités avec 4 contre 2. 53% de possession
on va dire seulement, pour la Côte d'Ivoire avec toutes ses stars. Mais attention, c'est une équipe d'Équato-Guinée qui a failli surprendre dans ce match. La Côte d'Ivoire se met à l'abri. Quand on sait que l'Algérie a été tenue en échec, ça va être un peu plus dur si la Côte d'Ivoire reste sur cette victoire poussive. Coach Ndoko, la poule de Japoma a finalement son leader. Mais attention à la Sierra Leone, qui sera le prochain adversaire, qui a tenu en échec l'Algérie. Non, non, je crois que moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est ce qu'ils ont donné. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont trop donné sur le plan énergétique. Donc, du coup, s'ils ne trouvent pas l'équilibre nécessaire avec notre invité, la star des compétitions actuelles, qui est la Covid, et si après on vous chippe encore deux ou trois joueurs et que vous avez tellement dépensé énergiquement dans les matchs précédents, ça devient encore plus compliqué. Et comme j'ai dit, tout va dans une certaine forme de préparation. J'ai vu une Sierra Leone, contre l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui a été tellement, ils ont été médiocres. Pour moi, ils ont été tellement médiocres à cause de l'arrogance. Parce que lorsque vous suivez le discours du coach, lorsque vous suivez le discours de Mahrez, pour eux, ils sont venus reconquérir ce que l'Égypte a eu à faire, c'est-à-dire que garder le trophée pendant trois fois. Ils ont donné le temps, ils disent non, on vient ici, on sait qu'on est favori, on est là, il n'est pas question de passer par le dos de la cuillère. Nous sommes lancés les favoris, je pense que le premier match sera un déclic pour nous. Ça a été un déclic négatif et qui essaie de tirer les leçons par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, ils sont dos au mur, ils sont obligés d'aller chercher. Mais attention, lorsque vous avez cette obligation, face à des équipes qui n'ont rien à perdre. Ok, just one second, Fabien, before we move out of this Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea game, talk to us about one player that many were expecting to see shine in this game, but somehow he was really lost, Sébastien Haller. Oui, mais il faut dire que Sébastien, ce n'est pas la première fois qu'il reste bouche bée, si vous me permettez l'expression. Déjà face au Cameroun. Déjà face au Cameroun, qui était un match de gueule entre André Onana et lui. Parce que j'ai vu des séquences d'un match d'entraînement où il disait André Onana, on vient là vous filer trois buts et tout ça. Donc il est resté muet, mais il reste quand même un très grand attaquant. Et vous savez, parfois quand un attaquant comme Asseler là n'arrive pas à marquer, c'est peut-être parce que les milieux de terrain ne lui ont pas donné des très bons ballons. Okay. Parce qu'un attaquant comme celui-là a besoin tout simplement un, deux, trois bons ballons. Il va mettre au moins un au fond. Gambobo, je vais m'aller dans votre sens. Moi, j'ai vu quelque chose avec les stars. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous avez un joueur qui porte l'équipe. À un moment donné, il faut l'utiliser dans d'autres termes, qu'il reste dans sa posture, mais qu'il absorbe et que vous en profitez. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égypte? L'Égypte a pris Salah, ils l'ont mis comme neuf, le mec, il était perdu. Parce que tout le monde sait que c'est Salah qui fait la force de l'Égypte. Et on coupe la source, il avait rarement les ballons. Et c'est comme ça que l'Égypte part à côté. Moi, j'étais étonné. Je pensais qu'à un moment donné, le coach devait le remettre là où il le met souvent, c'est-à-dire que dans le côté. Ouais. Et il vient comme électron libre. Il devient très, très dangereux. Mais sauf que ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'à l'heure aujourd'hui, tout le monde est braqué. On sait que c'est un bon buteur. C'est le meilleur buteur actuellement en Europe dans les compétitions européennes. Ligue des champions, meilleur buteur. Effectivement. Et en ce moment-là, les défenses sont averties. Tout se passe de manière à sorte que lorsqu'il y a le ballon, soit on coupe la source, soit on le muselle. Voilà. Du coup, il faut passer par quoi? Généralement, sur les coups de pied arrêtés. Regardez comment la Côte d'Ivoire jouait. Dès qu'ils avaient le ballon, le centre était dans la surface parce qu'il est efficace dans la surface. Alors, les autres équipes font quoi? Ils savent comment faire. Ils évitent que ça arrive. Ils ont muselé. À la limite, il est passé inaperçu. J'espère qu'ils vont apprendre ce qui s'est passé. Alors, de toute façon, on dira l'une dernière chose avant de parler légèrement des Lions, parce qu'on va laisser la part belle au temps additionnel qui va planter le décor de la journée de jeudi. Mais on était du côté du complexe sportif d'Olembe pour l'avant-match Cameroun-Éthiopie et puis Cap-Vert-Burkina Faso. Mais pour sortir de ce duel Équato-Guinée contre Côte d'Ivoire, l'homme du match,
pour une des rares fois, n'a pas été le buteur. Oui, ce n'est pas Mats Gradel qui a marqué très tôt, qui est l'homme du match. Non, c'est plutôt Jean-Michael Seri qui a été donc nommé homme du match. Ça a un peu relancé le débat pour ceux qui ne comprennent pas les critères. Ce n'est pas parce que tu marques un but, mais après, coach, non, on prendra plutôt le dernier, la dernière fille de l'homme du match, pas celui de la Gambie. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est bien Jean-Michael Seri. C'est tout à fait normal, c'est pas parce qu'on a marqué, même si ça aurait été logique. C'est logique. Écoutez, dans une situation comme celle-ci, l'homme du match, c'est celui qui donne l'impact à un match. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne... Le buteur de la Gambie n'a pas été homme du match. Je reviens là-dessus. C'est pas parce qu'ils n'ont pas... En 30 secondes. En fait, c'est pas le but qui détermine l'homme du match. Je peux être d'accord. Voilà. Mais sauf que c'est celui qui donne le ton. Voilà. Mais moi, je vous pose la question de savoir. Qui a donné le ton? Mais c'est Gradel. Si Gradel, il ne marque pas, ce n'est pas le même score qu'on a à la fin. Pour moi, l'homme du match, qu'il fasse 5 minutes et il marque son but, il est l'homme du match. C'est mon avis. Mais maintenant, Seri, il a fait quoi? Parce que pour avoir les passes décisives, il faut qu'on marque. Sinon, il n'y a pas de passes décisives. Pour enlever, il a été... Une passe décisive, c'est l'aboutissement d'un but. D'un but. Donc, voilà. Pour moi, définissez-nous les critères plus tard. On pourra certainement ça présenter là-dessus. Bon, de toute façon, c'était même pas lui le passeur décisif. En passant, c'est Ibrahim Sangaré qui... Une action aussi où Gradel a profité d'une grosse erreur de la défense et il a filé plein lucarne dans les cages. La Côte d'Ivoire qui nous donne 3 buts seulement cette journée. Donc, la journée la plus prolifique depuis le début, c'était celle de la poule A, celle du Cameroun. Avec Marie-Laure et Eric Bilan, ils vont faire le point de la première journée parce que dès ce jeudi, avec le Cameroun, on aborde la deuxième étape. Transition justement pour terminer le petit temps additionnel de Cannes au centre ce soir. C'est juste pour montrer une image des Lions après la transition sur Cannes Télévision. De Olembe. On va rester sur ces images d'Olembe parce qu'il faut dire, Fabien Bobo, vous serez sur le plateau pour débriefer le gros match du Cameroun. On espère la deuxième victoire contre l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a perdu son match d'entrée avec un carton jaune très tôt en conférence de presse d'avant-match. Le coach l'a reconnu. Déjà, carton rouge. Ouais. Ils ont fini 10 à 11, mais ils n'ont pris qu'un seul but contre le Cap-Vert. L'Éthiopie qui a 3 cas de Covid signalés. Le Cameroun qui n'a aucun cas de Covid, tant mieux parce que les joueurs font tout pour rester dans la bulle sanitaire. La visite du ministre ce soir pour peut-être leur promettre quelque chose, mais en 30 secondes, les Lions sont bien dans leur peau et on pourra peut-être voir des ajustements sur le plan du 11 entrant et pourquoi pas sur le plan tactique parce que c'était compliqué avec le système employé par le coach. Oui, mais il faut dire déjà que l'équipe d'Éthiopie n'est pas à négliger. C'est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. C'est des jeunes joueurs qui ont envie de démontrer qu'ils ont perdu leur premier match. C'était juste un faux pas. Donc, ils vont revenir contre le Cameroun étant remontés pour essayer de donner une autre physionomie à leur participation dans cette CAN. Maintenant, il appartient au Cameroun de démontrer que ce qu'on a vu, qui n'a pas tellement convaincu non seulement les joueurs eux-mêmes, le public camerounais, c'est-à-dire que la pauvreté qu'on a constatée dans leur jeu, les imperfections, le manque de concentration, les loupés et tout ça. Et je crois que ça commence par le milieu de terrain. Il faut que le milieu de terrain camerounais arrête de jouer de manière latérale, puisse jouer vers la verticale parce que voilà. C'est important. Si on ne joue pas dans la verticale, les attaquants ne seront pas nourris. Et on a bien vu que Toko Ekambi est passé à côté du match parce qu'il n'avait pas de bons ballons. Aboubakar Bensah était obligé de venir jouer le one-man show, c'est-à-dire essayer de prendre les ballons et faire des actions individuelles. Il faut mettre ces gens en orbite
parce qu'en leur donnant des bons ballons, je crois que c'est comme ça que le Cameroun pourra donc élever le ton demain pour donner une bonne physionomie de ce qu'on a vu au match d'ouverture. Coach, the last training session for the Indomitable Lions of Cameroon before their game against Ethiopia tomorrow. When you look at that training session as a coach, what do you think is going on in the mind of the players? Non, mais je veux dire qu'avec Concecao, je vous ai dit ici, je n'ai jamais rien appris. Et s'il ne change pas de 11, ça sera la première fois. Il nous a dit en conférence qu'on là pourrait faire partie, n'est-ce pas, des joueurs parce qu'il était absent. Là. Il n'était pas blessé, il n'avait rien. Mais il a donc fait comment pour mettre on là au banc alors qu'on là venait de faire un très bon match. Et puis l'autre bonne nouvelle, Onana aussi est déjà presque rétabli. Donc c'est bon, l'infirmerie est vide. D'accord. Ça veut dire que si nous reconduisons les mêmes personnes, ça veut dire qu'il y aura Koundé Malon défensif, Umgwet défensif, Zangbo Anguissa défensif. Ça veut dire qu'on était en train de jouer contre le Burkina Faso, on a trois défensifs et encore qu'on est en train de jouer le 3-5-2. Donc si vous ajoutez encore les trois autres défenseurs, ça fait déjà six joueurs à vocation défensive, mais sauf qu'on a failli se faire rattraper par le score. J'ai encore les images dans ma tête. Donc du coup, ça ne nous a pas mis à l'abri des attaques d'un adversaire qui est 131e mondial. Non, il faut qu'on se dise des choses en face. Ce qui veut dire que, je vous ai dit, quand j'ai vu Mauritanie et Gambie, j'ai rêvé de voir mon équipe comme ça. Mais il faut mettre les joueurs créatifs. Chez nous là-bas, Dieu qui il a entré, il a osé une fois, il a disparu. Comme il a disparu, c'est plus depuis un an. Et vous avez parlé de Toko Gambie. C'est un putain de tricheur. Il triche ce mec. Moi, j'étais devant la télé, je me posais la question de savoir si c'est son équipe. Il ne joue pas avec les autres. C'est pas parce qu'on l'a pas retrouvé, mais est-ce que lui-même il a travaillé pour qu'on le retrouve? Non. Là, c'est le coach qui parle pour les détails. Non, je vous dis, j'étais tellement scandalisé de voir la performance de ce mec. Il ne faut pas qu'il oublie. Ils ont donné tactique, Toko, sur ce match-là. Non, ils ont des égos surdimensionnés. Moi, je vais prendre un autre passage. Oui, pour sortir. Noutolo, qui est l'un des troisièmes défenseurs, qui aujourd'hui savait comme quelqu'un qui a pris le couloir, mais il était blindé parmi les trois défenseurs centraux. Ça veut dire que c'est Mouminga qui a son couloir. Mais Noutolo a fait les percussions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé deux, trois fois encore que c'était le même Toko Ekambi qui avait le ballon, il n'a pas joué. Et c'est un gamin que je connais. Il a baissé la tête justement parce que lui, là, on ne lui parle pas. Toko, c'est la star. C'est une star. Bon, il va corriger ça. Mais j'espère bien. Et ça part de la pointe de l'action technique, du staff technique. De l'eau disciplinée rapidement. La chance qu'on a, c'est que demain, on va jouer dans un match dans un contexte différent. Ça veut dire qu'on a déjà joué le premier match, on avait essayé de belles choses, on ne joue plus devant le chef de l'État, ce n'est pas le match d'ouverture. Tout ce contexte va changer. Demain, c'est le deuxième. Ouais. On n'est pas en confiance, il n'y a plus trois points. J'espère que ça va dérouler. Merci. And I think with that, Aimé, we can put, we can come to the end of this edition of Kano Sand. Tomorrow you will be certainly in the company of Marulo Nyege in the first, that is the additional time of Kano Sand. But then in the evening you are going to be having Tabi Clarkson and who? Passy Bekolor qui sera là pour nous. On repart du côté de Lembe pour vous retrouver certainement en direct à partir de 22h. Merci à Joseph Doko, merci à Fabien Boubou, merci à tous les téléspectateurs. Vous aurez les extraits de la conférence d'avant-match. Ne manquez pas en direct 11h, donc juste après la rediffusion que vous êtes en train de regarder peut-être déjà le matin. Et ben Marie-Laure et Eric Bilon, les Lions qui ont parlé, les dernières informations et la victoire. Le match est 17h. Passe vaccinal, c'est important. Yeah. Et naturellement, ticket, test à faire. Un bonsoir particulier à un testateur particulier aussi, à la Cité des Palmiers. Le grand Boli, il ne manque jamais à regarder cette. Boli, à Douala. À Douala, à la Cité des Palmiers. Ben voilà, merci pour la patience. On a grignoté vraiment. On a pris le temps additionnel du temps additionnel. Merci à Franck et Bénice Nguyen-Noy. On n'a pas fait comme la vitre. Production. Et demain, une nouvelle journée. Et restez en compagnie des programmes de Cap 10 Télévision. Goodbye. Good night.